Salut à toutes et à tous. Hello friends. Aujourd'hui, it's not my cat who is going to present you these records. C'est pas ma chatte qui va présenter l'album finalement. Je vais le faire moi-même. Randy Newman, Little Criminals. À ce propos, je vous conseille d'aller voir la chaîne de Joseph Isola qui parle, qui fait un petit topo très détaillé d'un des disques de Randy Newman. Et en l'occurrence, il parle aussi de celui-ci. Voilà, donc celui-ci, c'est son cinquième album, sorti en 1977. Là, c'est un US Press in 1977, pressage américain donc de 77, original, que j'ai eu pour un petit prix. Alors, je ne sais plus si c'était un vide-grenier, une foire au disque, je ne sais plus. Il y a quelques années que je l'ai. Et la particularité, c'est qu'il a fait venir d'autres musiciens pour l'aider à jouer sur cet album, dont Ry Cooder, qu'on retrouve sur de nombreux albums d'autres artistes, hein, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Il y a aussi trois membres du groupe Eagles, qui étaient en pleine ascension à l'époque, en 77. Donc il y a Joe Walsh, guitariste, il y a Glenn Frey, chanteur-guitariste, il y a aussi Don Henley et aussi le batteur Jim Keltner qui aussi assiste à quelques sessions. Voilà, donc c'est un album propre à Randy Newman avec cette possibilité de faire des orchestrations superbes, magnifiques, ciselées même. Et ce qui est important, c'est aussi l'esprit des textes, comme dit Joseph sur sa vidéo précédente. Il aime bien un petit peu montrer le côté un peu noir de l'Amérique et à travers des textes et des chansons très ironiques, notamment cette fameuse chanson Short People, les gens de petite taille. Et en fait, si vous prenez le premier degré, bon, ça peut crier au scandale. Et si vous prenez le second degré, en fait, c'est les gens qui n'ont pas forcément une petite taille, mais qui ont une courte vue de l'esprit sur les choses qui les environnent. Voilà. Alors après, il y a aussi d'autres chansons qui montrent un petit peu le mal-être de certains Américains qui, eux, n'ont jamais atteint le rêve américain. Et je pense que c'est même encore d'actualité, même malgré l'ère Trump, avec l'espèce de Donald avec la queue de renard sur la tête. Bon, trêve de plaisanterie, on va écouter quatre chansons qui sont courtes, donc ça sera sympa à écouter. Alors, il y a Short People qu'on va entendre. On a après You Can't Fool the Fat Man, Little Criminals qui donnait le titre à l'album, et on finira avec Texas Girl at the Funeral of Her Father. Triste, mais super mélodie, c'est très beau. Voilà. Alors, Randy Newman, vous pouvez encore le trouver à des prix vraiment très light. Franchement, c'est quelqu'un qu'on peut s'acheter en disque vintage, en pressage d'origine, à vraiment petit prix. Mais il faut chercher. Ciao! Allez, à la prochaine. Portez-vous bien. Take care. Bye.
Sad song for me.
Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'autres personnes. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.